bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin. C'est un sentiment de rentrée des classes. J'ai un peu l'impression de jouer le rôle du proviseur qui accueille les nouveaux élèves. En tout cas, c'est la première journée d'un nouveau parcours professionnel que je vous promets riche, varié et passionnant. Il faut vous protéger. C'est fini le monde des bisounours, hein, comme le dit souvent notre ministre. Maintenant, vous représentez l'État français, ici en France, mais aussi, a fortiori, naturellement, à l'étranger. Et ce qui dit représentation d'État français dit, naturellement, toute une série d'éléments de discipline, et en particulier en matière de neutralité. Vous êtes tenu par les positions du ministère des Affaires étrangères, donc vos opinions, eh bien, vous devez vous les garder pour vous. Là, il faut faire maintenant très très attention, hein, avec les Facebook, les Twitter et les autres. Vous êtes fonctionnaire d'État, vous êtes tenu par des règles et il ne faut surtout pas les oublier, sinon eh bien, il va falloir qu'on s'occupe de vous. C'est bien dommage, mais enfin bon, il y a toujours une porte de sortie possible. Avec tout ça, bonne chance et beaucoup de bonheur chez vous. Pourquoi avez-vous fait l'ENA ? La raison, le cœur, les tripes. Ah, très bien. La raison. La raison, parce qu'il faut bien nourrir sa famille. Pourquoi pas ? Le cœur. Le cœur. Parce que le service public. Bien. Et puis les tripes, parce que on m'a dit que j'étais pas capable de le faire et voilà. Ça, c'est une belle impro. Ce qui vous libère après pour partir sur la raison, vous auriez pu trouver une autre idée, les cœurs, les. Oui, on peut puiser toujours dans son vécu, dans son expérience, trois raisons qui permettent de, non pas de verrouiller un discours, mais de partir sur un discours avec des biscuits dans la poche. Et ces biscuits, on les invente au dernier moment en entendant la question. Plutôt que d'être direct sur le sujet, enfin moi c'est ma politique, pratiquer la politique du détour. Le sujet, il est là. Si je me focalise trop sur le sujet, je vais avoir la tête dans le guidon et je ne vais rien voir. Il y a des situations, vous en choisissez une, vous préparez pendant 10 minutes, vous choisissez, et après on met ça en place, vous prenez la parole, et peut-être on va faire un peu jeu de rôle. Alors, distribuons les rôles. Donc vous êtes la représentante de la France. Oui. Qui veut être le Britannique ? Qui sacrifie pour jouer le Britannique ? Donc, Alexandre, vous êtes le représentant britannique. On démarre, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici présents pour discuter d'un éventuel accord entre l'Union européenne et les États-Unis au sujet des droits relatifs à la propriété intellectuelle, puisqu'apparemment il y a un désaccord entre le Royaume-Uni et la France dans le cadre de cet accord. On est un petit peu surpris de cette proposition de l'intervention britannique. Bien évidemment, nous serons extrêmement réticents à réouvrir ce sujet, mais encore une fois, nous ferons preuve d'ouverture et d'analyse si on nous en laisse le temps afin de trouver un compromis sur cette proposition. Je suis très reconnaissant à l'intervention de notre collègue française qui a rappelé que lorsque la France adopte une position dans une négociation, elle n'en change pas. À ce stade, je ne suis pas en mesure de dire que nous serons prêts à négocier. Nous sommes en tout cas en train d'observer, d'analyser la proposition britannique. Je souhaiterais que dans cette enceinte A28, il n'y ait pas de faux procès d'intention. Nous, notre but, c'est un accord équilibré. Nous n'avons jamais dérogé de cette position-là. Vous le savez très bien, mon cher collègue. Mais en l'état actuel des choses, c'est vraiment une disposition que nous souhaiterions voir mise entre crochets. Je me contenterai de remercier ma collègue française pour avoir rappelé ses positions avec beaucoup de clarté. Sur le contenu, c'est parfait, hein, vous l'avez reconnu, mais ce qui manque, c'est que pour verrouiller la conduite de ce type de réunion, il faut annoncer d'emblée ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, et de structurer. C'est vraiment ça la grande loi. C'était le poteau. Je pars dans ce truc-là. Pourquoi c'est comme ça ?
traverse soucoupe par soucoupe. Donc ça veut dire qu'il y a un soucoupe qui fait ça, ça, et l'autre qui fait ça, ça. Ok. On va traverser soucoupe par soucoupe la rivière en deux temps. D'abord comme ça, et ensuite comme ça, pour rejoindre la ferme directement à l'horizontale. Qu'est-ce que vous faites, Chano? On est des diplomates français, on essaie d'évacuer le pays. Allez, toi, tu sors, toi. Sors, je vais voir ta tête. Un genou à terre. Je suis diplomate à Paris. Mais qu'est-ce que tu fous ici? J'emmène une délégation pour une conférence internationale. Sur quoi? Quel thème? L'économie. Dans ce pays, ouais. Alors qu'on est au bord du chaos, tu viens faire une conférence sur l'économie, toi? C'était avant que tu prends pour la fin de 3 semaines ou quoi? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. T'as rien à voir là-dedans? Non. J'entends bien, ouais. Est-ce que vous avez de l'argent? Non. Donne-moi une bonne raison de vous laisser partir. Une seule. Si vous le faisiez pas, ça compliquerait énormément les relations que vous voulez établir avec la France et l'Union Européenne. Ce que je te propose, tu rentres là-dedans, là, tu discutes avec tes collègues, tu me trouves de l'argent. Je veux de l'argent, beaucoup d'argent. Et à ce moment, peut-être, je vous laisserai partir. D'accord? Et après, tu tiendras ta promesse aussi. On vous donnera tout ce qu'on a. J'espère bien. Allez, tu rentres, vous faites le point. Eh? Bonjour. Concrètement, en rentrant en France, on pourra relayer auprès de nos autorités votre combat. Une fois que je t'aurai laissé partir, tu m'oublieras. Tu oublieras ma cause, tu oublieras mon pays, quand tu seras bien mieux chez toi. Tout le monde verra, si vous nous relâchez, 30 diplomates, alors que c'est un gros enjeu, que vous êtes des gens raisonnables, qui respectez les règles internationales, et qui vous êtes fidèles à votre combat. Hé hey, les gars hey. Il y a quelques montres qui en font. On ferme la porte. La chaleur corporelle s'évacue par la tête. Il est 9h20 et la température est de 20 degrés. Ils veulent changer le monde. Empoisonne le climat des relations dans la famille européenne. C'est une situation si paradoxale, composant d'un côté un euroscepticisme largement répandu et d'un autre la nécessité d'aller au-delà des traités actuels. Ok, on va dire ça. Il y a quand même une différence entre la version allemande et la version française, parce que là tu dis aller au-delà des traités actuels, et nous en allemand on a dit Weiterentwicklung der Europäischen Union. Approfondir.
voilà, approfondir l'union. C'est plutôt oui, un développement plus avant. Mais approfondir, ça va déjà dans un certain sens. Donc ça veut dire plus d'intégration à la fin. Mais approfondir, c'est pas la réponse aux eurosceptiques. Parce qu'eux, ils veulent pas ça. Adapter, parce que si on peut en mettre comme ça... Oui, mais dans ce cas-là, il faut le préciser, parce que relever ce défi sans préciser quel est le défi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour alléger la phrase, je ferais peut-être le défi de la diplomatie aujourd'hui, c'est de quoi et... Non, mais l'Europe et la nécessité d'aller au-delà des traités actuels, point, deux points, d'une part, l'euroscepticisme, et d'autre part, la nécessité d'aller au-delà des traités actuels. Et au-delà des traités actuels. Parce que ça veut dire que c'est vague. Encore rapport à la tradition allemande. Que vous voulez comme titre? C'était l'échec de la diplomatie et l'avenir de l'Europe. C'était le thème, c'est ça? Ouais, mais c'est catchy. Ouais. Non, c'était le tien, c'est bien. Donne le tien. Les leçons de 1914 pour la diplomatie d'aujourd'hui. Moi, c'est bien. Je pense qu'on va tout relire d'un coup, là. L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas, disait l'écrivain français Paul Valéry. Mark Twain aurait pu ajouter qu'il lui arrive de rimer. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour l'Europe de regarder vers le passé pour construire son avenir. Jusqu'à présent, l'Europe a toujours su répondre aux défis posés par l'histoire. 100 ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale et avec la disparition des derniers témoins, l'Europe affronte, est confrontée à deux grands défis. D'une part, la montée de l'euroscepticisme et d'autre part la nécessité d'aller au-delà des traités actuels. La tâche des diplomates est d'aider à y répondre. C'est très beau. Bravo. Qu'on aurait bien revenir à la maison. Où sont les biens? Allez, on ne va pas venir en Allemagne pour rien. Keep on dying.